Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui, petite vidéo sur un chantier, mais aussi je vais faire un petit micro-trottoir. Je vais poser quelques questions à des gens sur le frelon asiatique, voir s'ils le connaissent bien. Allez, c'est parti pour le micro-trottoir et après l'intervention. Première question, est-ce que tu connais le frelon asiatique? Oui. C'est à quoi il ressemble? Oui. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il est plus gros que le frelon européen, le nôtre? Oui. Oui. D'accord. Et si un jour tu as un nid de frelon chez toi, qu'est-ce que tu fais? Je sais qu'on peut plus appeler les pompiers du coup. Ouais. On peut appeler un pro et un exterminateur ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc tu ne le traiterais pas toi-même? Ah non. Tu tenterais pas le coup? Ah non. Bon, déjà ça c'est bien. Première question, est-ce que vous connaissez le frelon asiatique? Oui. Vous savez à quoi il ressemble? Oui. Ouais. Est-ce que le frelon asiatique est plus gros que le frelon européen, le nôtre? Oui. Oui. Oui, d'accord. Et dernière question, si vous avez un nid de frelon chez vous, vous faites quoi? Je les laisse tranquilles et j'appelle des professionnels. D'accord. Vous ne traitez pas vous-même? Ah. Vous n'achetez pas de bombes? Non. Ok. Eh non, mais venez par contre. Hein. Alors, première question, déjà, est-ce que tu connais le frelon asiatique? Oh oui, il est énorme, comme ça. Il est ouais, comme ça le truc. D'accord. Ma deuxième question, est-ce que tu penses qu'il est plus gros que notre frelon à nous, l'européen? Oui. D'accord. Et troisième question, si t'as un nid de frelon chez toi, tu ouais, fais quoi? Ah ben j'appelle quelqu'un. Les pompiers. Ben, je sais pas. Non, les pompiers. Ah oui, exact. Tu le traites pas toi-même, tu vas pas chercher. Ah non, non, je m'approche pas. D'accord. Un spécialiste. Ah, il faut un spécialiste. Ouais. C'est les. Comment ça s'appelle ceux qui montent dans les arbres? Les. Ben non, c'est là, ils font les élagueurs. Mais ils font les élagueurs. Faut appeler un élagueur. J'ai un dédé. Je suis un dédé. Bon voilà les dédés, le micro-trottoir est terminé. J'espère que ça vous a plu, ces petites questions. Il n'y en avait pas beaucoup. Ben, j'ai pas beaucoup de temps par rapport à mes interventions. J'ai profité d'avoir eu un chantier sur Toulouse ben, pour faire ce mini micro-trottoir. J'espère que ça vous a plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Quand je peux, je le ferai. Et ben, pour l'instant, je vous laisse avec l'intervention. Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Alors, on est sur un nid de frelon asiatique. Encore une cachette magnifique. Hop, attention, je passe. Et très dangereuse. Donc, on va aller voir ça. Donc, le propriétaire a tendu la pelouse. Et il s'en est aperçu comme ça. Vous allez voir où il est caché. Je vais poser le matériel. Et je vais vous montrer ça. Allez. Vous voyez ici le petit composteur. Et en fait, le nid de frelon, il est juste là-dedans. Donc je vais m'habiller et je vais aller détruire ça. Allez, c'est parti pour le combat. Allez, on va regarder ça de plus près. Allez, on va se rapprocher du nid. Je ne sais pas si vous le voyez, on voit juste un petit bout. Il faudrait que je lève le couvercle. Voilà le petit composteur. Regardez-moi comment c'est magnifique. La taille d'un ballon de handball, à peine plus petit. Allez, on va essayer de traiter ça. Entrée principale. Ah,
Magnifique. Un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Voilà, donc là il faut laisser agir. Vous avez vu, encore un endroit dangereux, un composteur, on jette quelque chose, le frelon il arrive, il nous attaque. Donc là on va essayer de rentrer, à mon avis ça va nous suivre. On va voir si ça suit la GoPro. Je vais aller rejoindre l'autre. Donc là, tous les frelons reviennent au nid. Là, ils attaquent. Bon voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, le nid de frelon, je le laisse dans le composteur, je ne l'enlève pas. Ça sert à rien d'enlever les nids de frelon. Il y a le phéromone, il va en avoir un autre qui va revenir ou à côté. Donc on ne met pas un nid de frelon avec plein d'ouvrières dans un seau par exemple ou autre chose. C'est comme ça. Sinon les autres frelons, ils vont s'installer ailleurs. Et après il y a un autre danger pour quelqu'un d'autre. Et après il y a des sociétés qui profitent pour gagner de l'argent. Voilà, donc ça c'est, on traite un nid, on le laisse. Et si le client il veut l'enlever, il attend 15 jours et après il désinfecte. Allez, je vous dis bisous et à bientôt les dédés.